Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi au championnat de France de 10 000 mètres. Donc aujourd'hui on est à Passé, c'est en Bretagne, pas loin de Saint-Brieuc ou je sais pas, je crois peut-être c'est pas loin de Rennes je crois. Et donc aujourd'hui je vais courir à 19h35, il est 13h30, on vient d'arriver à l'hôtel et donc là ça va aller à l'hôtel puis faire une grosse sieste. Parce que là, je suis fatigué, comme vous pouvez voir, les seins, les cernes et tout. Et c'est parti, les refs. Bon visionnage à vous. Let's go. Bon. C'est fini la petite sieste et le petit repos. Là, il est environ 18h20 et nous partons pour le stade. Donc, je serai en finale B. Dommage, je suis pas en finale A. Et on verra ce qui va être bien. Comment ça va se passer. Alors Mousse, qu'est-ce que tu veux nous faire aujourd'hui? Faire une belle course, c'est cool. Essayer de au moins aller chercher les moins de 30. Ça c'est au niveau chrono, mais vraiment essayer de vraiment bien me sentir dans ma course. Ne pas faire d'erreur, ne pas m'embrouiller pour rien. Et je sais pas. Vraiment essayer de m'amuser. Franchement ça peut être cool à 10 000 mètres. Essayer de tenir. Ok. Et voir. En vrai, cette course là, tu vois, genre, je me mets de la pression, c'est normal, mais j'ai pas tant que ça de pression parce que genre je sais ce que j'ai fait cet été. Je me suis bien entraîné. Je sais où j'en suis, tu vois. Si ça passe aujourd'hui, tant mieux. Si ça passe pas, bah ça se passera un autre jour. Et voilà. Allez mon mousse, hein. Le temps de la présentation. Du cœur. Comme d'hab. C'est bien là, allez Mousse, la relâche, allez Mousse, Bon les gars, donc comme vous avez pu le remarquer, donc j'abandonne au niveau du 100 000 mètres, un truc comme ça. C'était pas ce que je suis venu chercher, c'était pas. Genre vraiment, j'aime pas abandonner, mais aujourd'hui j'avais vraiment pas les jambes, je me sentais pas en forme. Au début, tu vois, genre dès le début, en vrai, directement quand on était dans le rythme que je voulais être dedans, je voulais être en une 11, une 10, une 12, tu vois. Et ouais, je me sentais vraiment pas à l'aise. Et plus ça allait, plus je me sentais pas bien. Vous pouvez voir, genre. Il y en a beaucoup qui disaient chaque vidéo c'est un nouveau record et tout, et bah il y a aussi des jours comme ça où on bat pas le record et ça change rien. En vrai
c'est pas une course qui décide de ce que t'es ou ce que t'es pas ou un truc comme ça. Genre aujourd'hui j'étais pas en forme, aujourd'hui c'était pas mon jour, mais demain est un autre jour, demain et après-demain sont des autres jours. Je sais que cette course-là c'était pas ma finalité, je sais ce que je veux sur long terme, je sais que cette course-là c'était qu'une étape, je l'ai ratée, c'est pas grave, demain je travaillerai deux fois plus et on reviendra vraiment. Donc j'ai fait une très belle saison, je suis trop fier de ma saison. J'ai trop hâte de la suite. Cette année, ça a été très très bénéfique pour moi. Vraiment, en ce qui concerne ce que je vais faire après, je ne sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que je vais travailler deux fois plus. Les sacrifices seront faits. Je vais tout faire pour que ça se passe mieux. C'était qu'une étape qui s'est mal passée. Et ça ne fait que m'aider. Parfois, moi, vraiment, je suis meilleur dans les échecs que dans les victoires, tu vois. Dans les victoires, t'as l'impression que tout va et t'as l'impression d'avoir accompli un truc et donc t'as tendance à te relâcher. Alors que là, dans les échecs, tu vois, t'as envie de te relever, t'as envie d'être meilleur et tout. Et donc, franchement, je pense que ce petit rappel, ce petit échec, vraiment, même si je le vois pas comme un échec, va me permettre vraiment d'être meilleur pour la suite. Vraiment, j'ai trop hâte. Dès demain, ça va se remettre dedans. Même si, tu vois, genre, je me sentais bien. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, cette course ne veut pas tout dire, tu vois, genre, vraiment. Genre, je sais ce que j'ai fait cet été, je sais ce que j'ai fait cette année, ce que je vaux, ce que je ne vaux pas. Et ça change rien. Genre, c'est que le début, les refs. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci vraiment à tous ceux qui m'ont encouragé, qui étaient là à passer. C'était incroyable. Merci à vous, vous êtes vraiment les refs. Tous ceux qui m'ont envoyé des messages et ceux qui m'envoient des messages là même quand j'ai dit que j'étais déçu et tout, vraiment trop des bons. On est grave ensemble les refs, force à nous. Et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment aimé, enfin j'aurais pu, vous voyez, genre ne pas finir cette vidéo là ou la cacher, ne pas la poster et tout, mais je préfère vous montrer aussi que des fois, genre, c'est pas tout rose de ma carrière un peu, enfin genre, c'est pas tout le temps des records. C'est cette mentalité que j'essaye de transmettre, tu vois, genre, même si, genre, vraiment, moi, ma chaîne, ce que j'aimerais, c'est vraiment de transmettre la bonne vibe et tout, mais aussi, j'aimerais aussi, genre, que les gens s'en rendent compte que ça a l'air facile, mais c'est pas assez facile, ok. Et donc, vraiment, merci d'avoir visionné cette vidéo, c'était très cool de votre part. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi, je vais revenir avec plein de vidéos bientôt, ne vous inquiétez pas. Et Alice avec moi, la ref, toujours là. Vraiment, merci à elle. Et vas-y, à la prochaine, les refs. Je vous aime bien, comme d'habitude. C'était Mousse pour Mousse Life. La suite va être belle, donc restez branchés.